la colère des producteurs de lait indépendants qui manifestent depuis ce matin aux Invalides. Objectif, alerter les députés de la situation dramatique que vivent les éleveurs laitiers en France. Wilfried de Villers, vous êtes sur place avec eux. Le point de tension, véritablement, hein, c'est une revalorisation du prix du lait. Oui, ils sont une cinquantaine de producteurs laitiers venus de toute la France pour manifester leur colère à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. Des indépendants qui veulent faire entendre leur voix au-delà des discours politiques des principaux syndicats, comme l'explique Adrien Lefebvre, président de l'Association des producteurs de lait indépendants. Nous, ce qu'on veut et pourquoi on est sorti de nos fermes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le problème du prix et les syndicats ne le portent pas assez haut et c'est pour ça qu'on vient battre le pavé ici à Paris. Moi, j'ai 33 ans. Si à un moment donné, ce métier-là n'est pas rémunérateur, je vais faire autre chose, je vais arrêter. Une meilleure rémunération, c'est aussi ce que demande Luc, producteur dans la Meuse. Il regrette que la question du prix du lait n'ait pas été assez au centre des débats lors des manifestations des dernières semaines. Aujourd'hui, on est payé à 46 centimes du litre au lieu de 55-60, voilà. Hein. Et il nous manque quand même 10 centimes du litre de lait. Et ces 10 centimes-là nous fait qu'on n'arrive pas d'investir, nous fait qu'on vivote. Alors, d'ici une demi-heure, les producteurs vont marcher de la place des Invalides jusqu'à la Tour Eiffel en distribuant des briques de lait, près de 2000 litres au total, pour alerter aussi les consommateurs français. Ils ont interpellé les députés ce matin et réclament la mise en place d'une véritable réglementation française et européenne pour garantir un prix du lait équitable.